Il y a 50 ans, mon père Peter a vécu une histoire assez étrange, voire paranormale. C'est rien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Chaque nuit, quand il était petit, il disait qu'il entendait des bruits provenir du mur de sa chambre. 3 coups, toujours les mêmes, qui le réveillaient même parfois pendant son sommeil. Ces bruits ont commencé à le hanter, devenir son quotidien, mais personne ne l'a jamais cru. Même mes grands-parents. Et plus de cauchemars cette nuit. Cette histoire a commencé à s'ébruiter dans leur village, après qu'une maîtresse d'école ait découvert des dessins de mon père très étranges. Les gens ont commencé à surnommer cette maison la maison du mal. Mon père m'a dit qu'ils ont été obligés de prendre certaines décisions pour protéger notre famille, mais personne n'a jamais voulu me donner plus d'explications. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a 6 mois, les derniers locataires ont quitté la maison subitement sans donner de raison. Toute ma vie, cette histoire est restée un mystère, et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller pour trouver réponse à mes questions. Ok. Si mon père, il sait que je viens dans cette baraque, il me tue. Littéralement, il me bute. On y va? Je suis trempé, ça fait du bien d'arriver. Enfin, tu peux éviter de faire ce genre de truc, mec. J'ai vraiment peur. Ok. On est dans la maison où mon père, quand il était petit, a entendu les bruits. Pourquoi les portes, elles grincent toujours comme ça? Ok les gars, bienvenue dans l'ancienne maison de mon daron. Ça va? C'est abusé de venir dans cette baraque parce que j'en entends parler depuis que je suis petit. Un peu moins ces derniers temps, c'est devenu un sujet hyper tabou. Parce qu'en fait, ce qu'a vécu mon père quand il était gosse, ils vont l'adapter au cinéma. Dans un film qui s'appelle La Maison du Mal et qui sort le 19 juillet au Cinoche. Mon père a entendu ses bruits, il a saoulé ses parents jusqu'à ce qu'ils déménagent. Et suite à ça, pendant 10 ans, la maison est restée inoccupée. 10 ans plus tard, il y a d'autres locataires qui sont venus, ils sont pas restés longtemps. On sait pas pourquoi. On va essayer de découvrir. Ok. C'est abusé de savoir que genre y a personne qui vit. C'était quoi? Je sais pas mec. Ouais, en même temps c'est une vieille baraque donc je pense que c'est normal qu'il y ait un peu des bruits. On sent le côté un petit peu old school de la pièce. Genre, on sent qu'il y a eu de la vie. Je vous jure, c'est ultra badant de venir ici. Parce que moi, j'en entends parler depuis que je suis gamin, mec. Ça m'est déjà arrivé d'être à table et de poser la question quand il y avait mes parents. Que ma mère, elle me regarde en mode ne dis rien, n'en parle pas. À votre avis, combien pèse un iPhone? Ça va de 0 à 900. Un iPhone pèse précisément 350 kilos. Je trouve que la maison, il y a quand même pas mal d'objets qui sont restés en place, malgré que ce soit genre hyper poussiéreux. Ce qui est ouf, c'est... Oh les gars, je vous ai pas raconté... Oh, fais gaffe là. On laisse comme ça. C'est pas... Ça m'a fait flipper de ouf. On va juste finir, faites gaffe où vous marchez. Ça, c'est la porte qui donne derrière la maison. Et ça, c'est la salle de... J'ai le matos aussi dans le sac. On a l'EMF. Pour ceux qui savent pas, c'est un boîtier qui repère les ondes électromagnétiques. Ça va du vert au rouge. Et si ça s'allume en rouge, c'est qu'apparemment, il y a quelque chose avec nous. Quelqu'un. Ok, super. Voilà. Oh. C'est le téléphone. Éteignez vos téléphones, les gars. Éteignez vos phones, comme ça on est sûr. C'est bon? Vous l'avez éteint? Il reste normal, ça devait être les téléphones, je pense. Okay. Pour l'instant, rien d'anormal sur le MF. Ah ouais, ok. Pas de soucis, mec. Je l'ai dit tout à l'heure. Quoi? C'est hyper cringe. Quand on sait l'histoire de la maison, ça prend un autre délire en fait. Et bien sûr, toujours avec le petit grincement qui va avec. Mec, les lits, ce genre de lit, tu vois, bien à l'ancienne. Hein. J'ai l'impression d'entendre des trucs à l'autre bout de la maison. Attends. Ok. Il y a un côté où ça me fait un peu mal au cœur parce que je sais que c'est mon père. Et je revois les trucs, genre le télescope qui est près de la fenêtre et genre les bouquins, les trucs sur l'étagère. Je pense qu'il y a un moment où cette maison, il y a eu. Je sais pas, de la joie dedans, tu vois, mais... C'est quoi cette malle? Ok, donc c'est pas cette chambre. Mec, le rocking chair, il est en train de bouger, gros. Ou alors j'ai rêvé, vous l'avez vu bouger ou pas? Je crois pas. Mec, cette pièce, je la reconnais. Mec, je l'ai vu sur les photos, donc je sais que ça, c'est la chambre que mon père avait quand il était petit. Et le mur où il entendait les bruits, c'est celui juste derrière.
arrête de marcher. Attends. Quand on était en bas, j'ai entendu genre un bruit, je sais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Mec, mec ! Quoi ? Mec, t'as entendu ? Entendu quoi ? Les gars, t'as entendu ou pas ? Non, mais... Ne commence pas. Non, mec, arrête. Mec, il y a eu des coups. Il y a eu des coups qui provenaient du mur. Ouais, frère, arrête, ça sert à rien. Mec ! Je te promets, vous l'avez pas entendu ? Non. Non, mais sérieux, vous rigolez ou pas ? Y'a pas de bruit, là. Mais mec, il y a... Mais t'es relou, là. Arrête. Ouais, ok, en fait, on arrive dans ce moment où moi, je pense que vous vous foutez de ma gueule, et vous pensez que moi, je me fous de votre gueule. Ouais, mais mec, enfin... Sors ton micro. Prends le micro. J'ai encore entendu un coup. Sors le micro. Le micro hypersensible que t'as pris. Sors-le. Mec, tu peux checker sur les ondes, tu peux voir s'il y a vraiment les coups. J'ai le micro d'ambiance, on enregistre la pièce si tu veux. Vas-y. Mec, si mon père, il a vraiment entendu... Mettez un like sur la vidéo si vous aussi, vous avez entendu les bruits. Comme ça prouvera que je suis pas fou. Mec, enregistre le truc. Laisse-moi installer juste. Vas-y, installe. Mais mec, tu rigoles, ça se voit, tu rigoles pour ta souris. Mec, je souris parce que je suis en mode, c'est un truc de malade. Si mon père... Mais mec, comment 50 ans plus tard... Si la baraque, si elle a pas bougé et que mon père entendait ces bruits et que je les entends moi aussi, mais pourquoi vous les entendez pas en fait ? C'est pas du tout ça que j'ai entendu. C'était des bruits sourds. C'est bon mec, tu peux rec là ? Tu peux enregistrer ? C'est bon. Vas-y, je les ai encore entendus. Je lance, les gars, il faut absolument pas parler. Ouais. Mec, t'as entendu là ? Quoi ? Mais mec, t'as les ondes. T'as les ondes qui sont sur l'écran. Attends, quoi ? Mec, t'as pas entendu ? Mec, je te jure que j'entends pas. Mais mec, tu les as... Tu les... Frère. Mec, j'entends parfaitement ta voix là, mais je n'entends pas ces trois coups. Mec, t'as entendu ? T'as entendu pas ? Rien du tout, mec. Je les ai là. Hein. Là, je les ai là. Tu les as, mais... Attends, je te promets que je file-moi le casque. File-moi le casque. Non, je te promets que je n'entends pas, mec. File-moi ce putain de casque. Vas-y, lance. Je les entends trop bien, mec! Tu te fous de ma gueule? Ça commence à me faire flipper un peu là. Mec, attends! En fait, il y a deux choses qui me font bader. Putain. La première, c'est que mon père, c'était le seul à les entendre. Ses parents, ils les entendaient pas. Et du coup, c'est en train de refaire le même truc avec WAM, mec. Mec, je suis pas yarn du tout. La deuxième chose qui me fait flipper, tous les films que je regarde, les films d'horreur, etc., quand il y a trois coups, c'est genre. Insulte au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Genre, c'est un truc vraiment pas cool du tout. Mec ! Les gars, c'est quoi ce délire là ? Il s'est passé quoi ? Mec ! Les gars, la boîte. Ah putain, j'ai pas envie de toucher. Mec, il y a une malle à l'intérieur. Mais mec, c'est quoi ce délire ? Y'a quoi dans cette malle ? Mec, c'est quoi tous ces trucs ? Frère, c'est ultra badant. Mec, c'est quoi ces dessins ? Mec, c'est mon père qui a dessiné ça ? C'est sa photo. Il y a une date, 19. C'est quoi ce délire ? C'est quoi cette malle ? Mec, il a dessiné. Mec, ça a vraiment dû le traumatiser. Ah, ça me met pas bien du tout. Je vais l'appeler. Les gars, je vais appeler mon daron. C'est quoi les autres photos ? C'est tes grands-parents, ça ? Ouais, c'est mes grands-parents. Ça, c'est la maison. Ça, c'est devant la baraque. Et ça, c'est l'ancienne tapisserie. C'est la chambre où on est actuellement. Il a dû prendre ça en photo, mec. Regarde. La maison du mal. Un enfant du village, Peter sur la photo, mon père, affirme entendre des bruits provenir des murs de la maison de ses parents. Ces derniers, quant à eux, affirment qu'ils n'entendent rien et que Peter serait victime de cauchemars. La situation durait depuis maintenant 3 mois et la famille a décidé de déménager. Mais mec, je les entends aussi des coups. Il est pas fou, mec. Il est pas fou, il a pas inventé tout ça. Mes grands-parents, ils entendaient pas. Je les entends aussi. Je l'appelle. Ouais, papa ? Oui, allô, Olivier. Tout va bien ? Écoute, je suis désolé, je... On est allé dans la maison. Quelle maison, Olivier ? La maison du mal.
Je sais. Attends, avant de m'engueuler, deux secondes. Les coups, je les entends aussi. Écoute-moi bien, quittez cette maison. Ok, attends, juste avant, dis-moi juste. Est-ce que la date du 19 juillet, ça dit quelque chose? Il y a une photo de toi dans la malle, et au dos, il y a écrit le 19 juillet. C'est quoi cette date? 19 juillet? C'est bizarre, c'est la date de sortie du film, dans mon histoire. Quoi? C'est pour l'adaptation, tu sais. Les gars, baissez-vous. Mec, éteins les lights. Éteins. Olivier, tu m'entends? Mec, il y a des gens dans le jardin. Mec, il y a des gars dans le jardin. Filme. Les gars, on se pète d'ici. Mec, on se... Il est où, Lucas, mec? Mec, on trace. Fais pas de bruit. Il se fait où, Lucas, putain? Mec! Lucas! Quoi? C'est la bande-annonce du film qui retrace l'histoire de mon père. Il n'y a aucun bruit, Peter. Peter! Ça suffit! Ce n'est qu'un mauvais rêve. Et donc, on n'a toujours pas la même aventure, mais comment vous prenez les clés pour aller dans la maison du mal? Mon père, il avait cette boîte où il y avait tous ses souvenirs dedans. Ce qui prouvait que son histoire était vraie, et il y avait aussi également les clés de la maison. J'ai décidé de les prendre pour aller voir et vérifier par moi-même. Et du coup, vous n'étiez réellement que trois dans l'équipe au moment du tournage? Je vous ai déjà dit, on était trois, il y avait un technicien son, le cadreur, et il y avait moi. Et à la fin de ce fun footage, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour vous et votre équipe? On peut arrêter l'interview? S'il vous plaît. J'ai pas envie de répondre à ça, ok? Tout sera dit dans le film qui sortira le 19 juillet. Il y a toutes les explications dedans. D'accord, mais là, on aimerait avoir une information en plus, s'il vous plaît. Il y a tout dedans. Vous allez le voir, vous comprendrez. Mais donnez au moins quelque chose en plus. Enlevez-moi ce micro. Non. Parfois, on doit faire certaines choses pour protéger sa famille. Je suis désolé.